maintenant, nous allons nous diriger à l'Assemblée Générale où il y a la présence exceptionnelle de Sylvie Guillaume, l'eurodéputée. C'est très important pour nous de pouvoir faire de la pédagogie. Si on respecte le droit commun d'un pays, par exemple aujourd'hui au Mali. Terrorisme, ensuite ce sera terre d'asile. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible? Pour revenir là-dessus. Parce que moi j'avais noté la même chose que le jeune homme là. Remarque. Du coup, on a proposé de créer un statut. Oui, le principe de séparation, c'est pas mal. Sur la question du contrôle des données. L'Union européenne est censée promouvoir les droits de l'homme. Et ceux qui veulent non. Ces propositions passent à 12 voix. Et je dirais que tout ce qui concourt à de la pédagogie, de la visibilité, du côté positif de l'Europe est de toute façon à encourager. Le dialogue, après, il s'établit sur des bases, on discute, on est d'accord, pas d'accord, mais c'est une discussion. Et rien que d'éprouver des arguments contradictoires, c'est déjà une vraie force et une vraie visibilité de l'Europe. Donc vraiment, ne pas prendre l'Europe pour ce qu'elle est, mais essayer de la construire, c'est vraiment, je crois, assez fondamental. C'est ce que vous faites et je suis vraiment tout à fait ravie, en tout cas ravie d'avoir participé à cette session.